Bon Fabien, on a eu une conférence sur la sémantique aujourd'hui. Tu as pu participer à cette conférence parce que tu es spécialiste de la sémantique. Tu peux nous présenter ta spécialité et ton métier ? Oui, alors donc je suis Fabien Poulard, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Dictanova. Et en fait, nous, notre travail, c'est d'aider les directions marketing à acquérir de la connaissance sur leur marché en partant en fait des discussions entre consommateurs. On industrialise l'analyse des prises de parole sur le web pour vraiment aider ces directions à comprendre comment elles sont perçues, comment sont perçus leurs concurrents, quelles sont les sources de différenciation qu'elles pourraient activer et du coup gagner en performance marketing. Donc ton métier, c'est un peu scanner le web, forums, médias sociaux pour détecter en fait ce qui se dit sur une marque, positif ou négatif. Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, on parlait du search. Quels sont pour toi les enseignements aujourd'hui, l'impact de la sémantique sur le search? Qu'est-ce qu'on aurait à retenir de cette conférence? Je pense qu'on a pu voir avec les différents intervenants qu'aujourd'hui, de toute façon, il y avait un pivot qui était en train de s'opérer sur justement aller au-delà du mot-clé, du matching de mots-clés et vraiment prendre du recul sémantique sur les choses. Comprendre ce que les questions posent les utilisateurs pour fournir des réponses pertinentes rapidement et ainsi anticiper les prochains usages, mais aussi élargir le mot-clé à tout son périmètre thématique, on va dire, et ainsi ramener plus de contenu qui pourrait être pertinent pour l'utilisateur. Donc, je pense qu'on est aujourd'hui sur un pivot important au niveau du search et ça va avoir des impacts par la suite. On voit bien qu'on est à une charnière. Et aujourd'hui, quel est ton regard sur les agences de search? Parce que c'est pas un métier dans lequel on a intégré la sémantique. Tu penses que les agences de search vont devoir intégrer ces thématiques-là, ces compétences-là? Alors, ce sera à elles d'en décider, j'ai envie de dire. Mais effectivement, leur métier va certainement se complexifier. On va très certainement plus pouvoir se limiter à identifier des mots-clés, les utiliser, etc. Mais il va falloir prendre en compte le fait que selon la structure des phrases, le contenu va être plus ou moins bien assimilé par les moteurs de recherche et donc plus ou moins bien remonté, que les mots-clés peuvent être remplacés automatiquement par des synonymes parce que le moteur de recherche comprend ces synonymes. Voilà, tout ça, ça fait que la rédaction du contenu et l'optimisation du référencement va certainement se complexifier, se techniciser. Et peut-être effectivement que les connaissances en sémantique pourraient accompagner les agences dans cette transformation. D'accord. Merci Fabien. Merci Yann.